vie 4. Chemin de vie 4, donc votre numéroscope pour le mois de septembre. Déjà, mois de septembre. Alors, que vous arrive-t-il au mois de septembre, vous? Numéroscope 4. À voir. Je vais tirer 12 lames et puis je vais les positionner en rond comme pour une roue astrologique pour les 4 ans. Les 4 ans. Chemin de vie 4 ans. Alors, ce mois de septembre, comment allez-vous le vivre? Comment allez-vous vivre votre mois de septembre? Je ne sais pas. Nous allons voir ça. Alors, donc, ben vous apparaissez ici en pape, hein, c'est pas rien, donc c'est la personne d'expérience, c'est la personne vers qui on se tourne lorsque ben on en a besoin, et en plus c'est la personne qui est écoutée, parce que d'abord c'est peut-être la personne qui possède le plus de connaissances, hein, tout simplement, qui est... voilà, qui témoigne d'une certaine expérience de vie et donc bonne conseillère ou bon conseiller, homme ou femme, hein, pour le numéroscope. Donc vraiment ici, vous, vous êtes, comment dire, la référence. Alors vous voyez, par rapport à la famille, ça pourrait être ça, hein, vous voyez, ça pourrait dire qu'on vous écoute. Bah, au niveau foyer, c'est l'argent qui ressort, donc peut-être êtes-vous une personne vers qui on se tourne lorsque ben, on a besoin, enfin, on manque d'argent, on manque de connaissances, on manque de conseils raisonnables, on va dire ça. Bon, après, ici au niveau argent, vous n'êtes pas quelqu'un qui garde tout pour vous, hein, loin de là, vous partagez avec votre famille, avec les gens que vous aimez, vos proches. Et ça ne semble pas qu'il y ait d'affliction en ce domaine pour ce mois de septembre. Alors, si affliction il y aurait, ce serait plutôt vers au jour le jour, si vous les voyez, avec les échanges qui n'auraient à ce moment-là pas d'incidence sur votre émotionnel. C'est pas votre famille, c'est pas les membres de votre famille, c'est plutôt alors comme il y a le bâton, je dirais que c'est peut-être un projet que vous avez, quelque chose qui fait que bah, c'est bloqué, que vous vous sentez bloqué d'ailleurs, que on vous apporte pas les nouvelles que vous souhaitiez ou vous souhaiteriez. Quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, après, ça n'empêche pas que vous avez quand même des échanges, mais c'est plutôt des personnes qui essayent, qui vont essayer, si vous voulez, de les amener dans leur sens. Un peu comme s'il y avait des différents comme ça. Ça peut être des voisins, hein, tout simplement. Peut-être des membres de la famille, mais bon, c'est pas très... Ici, pour moi, ce n'est pas ça, mais ça se peut. Je ne sais pas si vous avez des enfants, peut-être un fils. Si c'est le cas, vous avez ici une lame qui me parle de stabilité. Alors, je vais plutôt parler comme ça. Ça peut être, vous pouvez avoir aussi une fille, hein, après tout. C'est comme si vous étiez inquiet ou inquiète pour
cet enfant, dites-vous bien que c'est comme si cette personne, au mois de septembre, allait retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Voyez, ici la carte, voyez, montre que cette personne a encore les pieds dans la boue, hein, les pieds dans la glaise. Hein. C'est encore mouvant, c'est comme des sables mouvants. Hein. Bon, on dirait c'est de l'eau parce qu'il y a un poisson, mais bon, ça donne l'impression que c'est plutôt de la glaise, vous voyez, un peu comme un marécage. Hein. Donc, il n'est pas cette personne, homme ou femme, donc votre enfant. Parce que c'est quand même dans le monde des enfants, n'est pas sorti de l'auberge encore, mais il y a comme une relative stabilité pour cette personne. Donc après, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être une connaissance, et on dit que c'est quelqu'un qui émotionnellement est assez carré, mais a des limaces aux pieds, vous voyez. Il n'est pas tout blanc. Il traîne des saletés, si vous voulez, derrière lui, dû certainement à son passé. Alors, ensuite, je continue. Bon, vous êtes en mouvement quand même, hein. Vous essayez quand même d'aller, de vous diriger vers ce à quoi vous aspirez ou vous pensez aspirer à ce moment-ci de votre existence, et vous allez quand même vous donner les moyens de vous mettre en route, de vous mettre en marche. Peut-être avez-vous compris que ce n'était pas en restant statique, même si vous accueillez, même si vous donnez, même si vous ne gardez pas tout pour vous, même si vous ne manquez pas. Ici, au mois de septembre, vous allez prendre conscience qu'il va falloir bouger, presque, j'allais dire, vous bouger davantage, être un peu plus fofolle, être un peu plus libre, avoir moins peur. Vous posez la question, de quoi ai-je peur en fait? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que les choses vont changer si je continue à faire de la même façon? Peut-être aussi un conseil à vous poser la question, est-ce que je me suis déjà retrouvée dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai agi? Est-ce que je fais pareil cette fois-ci? Est-ce que ça avait bien fonctionné la dernière fois? Alors peut-être faudrait que je fasse la même chose. Sinon, si ça n'avait pas fonctionné facilement, eh ben changez un peu. Changez votre baluchon d'épaule. Et oui, vous avez compris, même au niveau psychique, hein, c'est votre morale là, le monde des émotions, mais le monde des émotions au niveau psychologique. Vous avez bien compris que maintenant, bah, peut-être quelque chose se termine, c'est fini. Allez, vous allez vous débarrasser des derniers... les dernières puces sur votre corps, et vous allez vous nettoyer une bonne fois pour toutes et partir ailleurs. Et oui, il y a une décision de toute façon qui va être prise, qui est faite avec votre petite flamme intérieure, hein. C'est vraiment, c'est une guidance intérieure qui vous le voulez, hein. Alors il y a ici le serpent, je me demande s'il n'y a pas une crainte quelconque, vous voyez, s'il n'y a pas d'hésitation par rapport au virus qui, au moment où je fais le tirage en tout cas, on fait parler de ça, donc peut-être. Et là, il y a le roi de Pentacle, vous voyez, donc peut-être plutôt qu'un enfant, bon après ça peut être les deux, hein, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être une possibilité ici de rencontre. Alors, si tel est le cas, pardon, eh bien, on dit que ce sera vraiment au niveau... voyez, lorsque vous sortirez, il y aura une sortie quelconque. Hein, ça peut être juste un pique-nique. Hein. Vous savez, les pique-niques qu'on fait, là, il y a plusieurs personnes. Chacun amène
sa casserole, c'est ce qui est très sympa d'ailleurs. Donc même dans le pire, il y a du bon, n'est-ce pas? Il y a une possibilité de rencontre ici avec une personne qui est un peu sur la même longueur d'onde, et après coup, peut-être vous allez vous dire, même si c'est que vers la fin, ah bah tiens, heureusement que c'est arrivé comme ça, maintenant je vois peut-être les choses autrement, je vais me débarrasser de certaines craintes qui n'étaient pas fondées. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, au niveau social, pour moi ici, il y a une réussite en ce mois de septembre. Après, au niveau ici, c'est plutôt le, vous voyez, le tout ce qui est, ça peut être les amis, mais ici, c'est moi, pour moi, ça va symboliser plutôt c'est plus la conséquence de vos actes ici, pour moi. J'irai peut-être ici avec ça aussi. Un peu comme si vous n'aviez pas toujours agi comme il fallait, ou peut-être pas au bon moment, peut-être des chances comme ça qui sont parties. Et après coup, vous y pensez, puis ça vous stresse en fait. Ça vous stresse un peu. Pour pas dire que ça vous stresse beaucoup. Hein. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous dire ici de pas trop dramatique? Pour le mois de septembre, si vous aviez un souhait fort, vraiment, hein, vous attendiez vraiment une réalisation forte, c'est pas encore au mois de septembre, ça va se concrétiser, voilà, c'est dit. Ça semble que ça va vous passer sous le nez, après coup peut-être vous allez vous rendre compte que c'est la conséquence de vos non-actions, pas assez actif, pas assez proactif, trop d'anxiété, de crainte, et ça fait que ça vous file sous le nez. Donc, j'espère pas, en tout cas, hein, j'espère pour vous que ce sera pas ça. Et du coup, ici, il y a une épreuve quand même à surmonter pour vous, ça va être peut-être justement cette concrétisation qui ne se fait pas, vous l'aviez attendu, vous l'attendiez, et par rapport peut-être les circonstances qui on me dit c'est la conséquence des actes ou des non-actes, hein, d'ailleurs, qui fait que on se retrouve dans le statu quo au mois de septembre, hein, par rapport à ce désir, on est bien d'accord. Alors qu'est-ce que je pourrais juste ici pour savoir, parce que pour moi ici ça me semble que c'est quelqu'un qui est seul, hein, avec une possibilité de rencontre certes, mais qui est seul. Il y a une possibilité au mois de septembre pour les personnes seules d'avoir un coup de foudre pour vous les quatre, hein. Chemin de vie 4, hein, d'accord. Après je continue ici. Il y a un rapport de force pour vous ici, hein. Peut-être vous n'êtes pas assez bougé. Donc, c'est ce manque de... Comment dire? Vous êtes trop sur vos acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une crainte, il y a des craintes ici infondées. Posez-vous la question, si vous n'agissez pas maintenant, quand allez-vous agir? Après, si peut-être aussi... ce temps d'attente, c'était pour vous faire comprendre que c'était pas pour vous en fait, hein, je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, ici, c'est comme un début manqué, vous voyez, c'est l'impression que ça me donne ce tirage, un début manqué, une occasion ratée.
raté. Pourquoi? Parce que vous, comme si vous étiez endormi sur vos lauriers, vous voyez. Vous êtes quelqu'un de bien, hein, de bons conseils, qui a des etc. mais qui ne bouge pas assez, vous voyez. Vous ne faites pas assez la folle, hein, ou le fou, hein, dans le sens positif du terme, ça va de soi. Il y a une possibilité de rencontre pour les célibataires, je l'ai déjà dit. Emprisonnement, vous voyez, vous êtes ici, cette carte, c'est comme si vous étiez emprisonné dans vos propres schémas de pensée. Ben voilà, vous libérez, hein, vous n'avez pas le choix, faites la faux folle, hein. Regardez, ou le faux fou. On sait ce qu'il faut faire. Alors, vous êtes surveillé, dit-on. Ah, qu'avez-vous fait? Une espèce de surveillance. Je me demande si c'est pas des personnes avec qui vous échangez au jour le jour. Ça peut être des amis, ça peut être des voisins, je ne sais pas. Il y a ici, on parle de surveillance. Ouais, une surveillance. Là, elle s'arrête. Un conseil pour vous. Allez, un conseil. Un conseil pour sortir de là. Un conseil. Un conseil pour les quatre, les chemins de vie 4 pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Vivre sainement. Ah, ben voilà, les... Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc, voilà, écoutez, voilà le conseil pour le mois de septembre. Ne vous laissez pas aller. Vous êtes peut-être trop oublié au mois d'août, justement pour les autres. Donc, il est temps maintenant, au mois de septembre, de reprendre une vie saine et de vous reprendre en main. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. Et puis, je vous dis au mois prochain.